Le 15 juin 2013, l'Observatoire de la Côte d'Azur a accueilli plus de 2500 personnes sur son site d'observation du plateau de Calerne à Cossol, dans les Alpes-Maritimes. Lors de cette manifestation, le public a pu rencontrer le personnel scientifique et découvrir les travaux de recherche qui se font sur ce site. La nuit coupole ouverte est rendue possible grâce au soutien financier et matériel de nombreux partenaires, comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil général des Alpes-Maritimes, les mairies de Cipierre, Cossol, Valbonne et de l'Université de Nice, Sophia Antipolis. On est content de pouvoir ouvrir nos portes, même si c'est que une fois tous les deux ans, parce que une des missions, c'est donc la diffusion des connaissances de l'Observatoire, une des missions statutaires de l'établissement. Et donc, ça permet de pouvoir mettre le public en contact directement avec la recherche contemporaine qui se fait à l'Observatoire en ce moment, et de pouvoir vraiment voir le travail des chercheurs. Et ça permet également aux chercheurs de montrer ce qu'ils font, et c'est une satisfaction pour eux également. Voilà. La nuit des coupoles ouvertes, c'est également un cycle de conférences sur le Soleil, la météorologie des planètes, les séismes terrestres, l'interférométrie, la gravitation ou encore la distance Terre-Lune. De nombreuses observations astronomiques sont également possibles grâce aux nombreux clubs amateurs de la région qui sont venus lors de cette nuit coupole ouverte. Plus exactement, en fait, il y a plus d'un an et demi, certains des collègues ont proposé de faire un centre pédagogique en partenariat avec l'Université de Nice. L'Université de Nice, qui est le grand partenaire de l'Observatoire de la Côte d'Azur, bien entendu, nous collaborons avec des organismes nationaux comme le CNRS, le CNES, Centre National des Études Spatiales, mais donner une vocation plus pédagogique paraissait tout à fait naturelle. Sur ce site, en fait, il y a de la haute technologie. Des contes, des animations pour les plus jeunes sont organisées, ainsi qu'un jeu concours pour découvrir le site. Comment tu t'appelles ? Tristan. Tu as regardé dans le télescope ? Oui. Est-ce que tu as vu quelque chose d'intéressant ? Oui, le tour du soleil, il est très clair. Les observations du soleil depuis la station Picarsol sont très appréciées du public. Je travaille principalement au plateau de Calerne et je suis responsable de l'instrumentation Picarsol, donc qui est ouverte aujourd'hui au public. Alors on a essayé d'organiser les choses en divers ateliers pour le public et en particulier avec les solarscopes, on essaye de leur faire mesurer un diamètre solaire, ce qui est finalement le but de l'instrumentation Picarsol. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici les rencontrer ? Principalement, c'est pour mes enfants, leur faire découvrir un petit peu l'astronomie et ce qu'il y avait dans le ciel, voilà. Vraiment développer leur intérêt. Tu as regardé dans le télescope ? Oui. Et c'était bien, ça ? Oui, c'était très bien. Pour la télémétrie laser satellite, donc je vais résumer rapidement le principe de la télémétrie laser satellite. L'objectif, c'est de mesurer la distance qui sépare un satellite de la station en utilisant un laser impulsionnel assez fin. Donc on va mesurer le temps de vol aller-retour d'une impulsion. Donc on utilise pour ça un laser impulsionnel vert. Et on date l'impulsion quand elle part de la station. Quand elle arrive sur le satellite, elle se rétro-réfléchit, puis revient vers la station. Et on date à ce moment-là le temps retour. Donc en ayant le temps aller-retour de l'impulsion et connaissant la vitesse de la lumière, on arrive à retrouver la distance qui sépare le satellite de notre station. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir rencontrer les chercheurs qui travaillent ici ? La première motivation, c'est que j'étais venu il y a 2 ans et j'avais trouvé ça absolument passionnant. Je dois regarder là. Oui. Et en particulier d'ailleurs, le laser là. Et il y avait des personnes qui nous ont tenus en haleine pendant 1h30 largement en fait. Et c'était super intéressant. Et en fait, ça permet vraiment de s'ouvrir l'esprit sur ce qu'il y a autour de nous et qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. J'aimerais bien bosser ici personnellement. Voilà. Thank you.